questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. L'AJD, l'association de jeunes diabétiques, elle permet aux parents et aux enfants de se réunir et de voir ensemble ce qu'on peut faire quand jeune on est frappé par le diabète. Et on peut tout faire, en particulier aujourd'hui, eh bien, les jeunes font du rallye automobile. À 9 ans et demi, Mélissa va monter pour la première fois dans une Subaru. Certains diront qu'elle a bien de la chance, mais à quelques secondes du départ, elle ne se sent pas très bien. Un peu nerveuse parce que je regardais tout à l'heure les voitures, ça a l'air d'aller vite. Mélissa est diabétique depuis l'âge de 5 ans. Sa vie est rythmée par une hygiène de vie, un suivi alimentaire et des soins très contraignants. Pendant longtemps, elle a pensé être seule dans ce cas. L'association Jeunes Diabétiques, créée dans l'Indre il y a 3 ans, lui a permis à elle et à ses parents de relativiser. Les missions de cette structure sont multiples. Communiquer sur le diabète, à s'aider, à s'entraider, à pouvoir faire des réunions ensemble, à faire des conférences et puis plein de choses comme ça. Voilà. Parmi les candidats aux frissons garantis, de tout petits bouts de chou. Le diabète attaque aussi des enfants très jeunes. Les parents doivent être attentifs aux premiers symptômes. Souvent, c'est une soif très intense, ça peut être jusqu'à 2-3 litres par jour chez un petit enfant. Une perte de poids, une fatigue importante également. Je dirais que c'est à peu près ça les symptômes, une grosse envie d'uriner. Une fois le diabète stabilisé et le protocole de soins établi, les enfants sont à même de faire tout ou presque. Pour Mélissa, la course automobile, c'était bien, mais... Ça m'a fait un petit peu peur quand même, ça m'a tourné la tête. Puis bah, faut les accrocher. Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai. Le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse qui sono nato. E in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così.